Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Imana ya Congo na sepeli komona president ngai kisekedio na vile na biso ya mboka oyo ya Congo Bukavu to sepeli mingi komona ye yangoyo ngai na kometale maboko maboko yangoyo ngai na koyembela ye yangoyo tikana ebisa ye na motema nangayo umela president ngai Umela papa Tshisekedi Umela, 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 umela papa nanga yo oh, oh, oh. Mon président Chilombo Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Mbotena bino danso, mbotena benu, moyanyu, moyowenu, jambrenu. Sikilizaji wa luga ya Kiswahili. Voilà. C'est juste un flash informatif. Khalef Moutonde a été arrêté à la permanence de la CINCO. Alors, nous nous posons la question. Pourquoi a-t-on arrêté Khalef Moutonde seulement à la CINCO? Il pouvait aller se réfugier ailleurs pour demander la médiation de l'église kimbanguiste ou de l'église du Christ au Congo. Pourquoi à la CINCO? Eh bien, nous allons essayer de comprendre. Avant d'en arriver là, il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles le cardinal Ambongo communique facilement avec Joseph Kabila, et pour preuve, il s'est déplacé, il s'est rendu au Katanga, donc il est arrivé nuitamment, comme on dit, c'est au niveau des rumeurs, mais le voyage, lui, il est vrai, il a voyagé, il a été à Lubumbashi. Donc, il a été se concerter avec Moïse Katumbi, et nuitamment, il est allé à Kashamata se concerter avec Joseph Kabila. Bon, de quoi ils ont parlé? Il s'est entretenu, il se serait entretenu avec Moïse Katumbi. Donc, comme quoi il n'y a pas de fumée sans feu. Et voilà, maintenant, Khalef Moutonde est en difficulté, il est poursuivi par la justice. On lui envoie des invitations, des convocations, il ne se présente pas, il préfère la poudre d'escampette, et voilà, une semaine plus tard, on apprend qu'il est à la CINCO, il veut coopérer avec la justice. Et c'est la CINCO, cette CINCO même, qui est soupçonnée de soutenir la Kabylie, soupçonnée d'être en intelligence avec la Kabylie. Et voilà, Bangonde, Bazali Kobomba, Khalef Moutonde. Donc, Balobiki Akei Koluka, Bango Basali médiation, Basali intervention, pour justice, donc, et traité Yemalamu, Balan de justice, voilà, comme il faut. Voilà, chers compatriotes. C'est pour qu'il comparaisse un homme libre, ou bien. Mais nous apprenons qu'il s'agit d'une arrestation. Là, on va voir ce qui va se passer. Donc, vous avez compris, chers compatriotes, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein.
Et voilà, d'où est sorti Caleb Moutonde? De la Cinco. Et à savoir, la Cinco n'a pas une bonne réputation auprès de la population de base de l'UDPS. Voilà, chers compatriotes. On sait qu'ils sont les soutiens de Martin Fayoulou. Ils parlent maintenant le même langage avec le PPRD, la Kabylie, Martin Fayoulou. Et voilà où nous en sommes. Bon, tout le temps, il y a quand même un message au yo et Ebisi Bisoke. Bakanga kiye na katia 5 ans. Justice et kanga kiye na katia 5 ans. Et après, nous clôturons parce que c'était juste un flash informatif. Voici comme flash concernant l'arrestation de Caleb Moutonde. Donc, en cavale depuis plusieurs jours, Caleb arrêté à la Cinco. Ça, c'est selon congoprofond.net. Voilà, chers compatriotes, pourquoi nous nous demandons pourquoi Caleb a-t-il arrêté seulement à la Cinco? Ne pouvait-il pas aller se réfugier ailleurs? C'est pourquoi on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Nous allons lire quand même l'information. Alors, le voilà. Caleb Moutonde, chers compatriotes. Alors, qu'est-ce qu'on écrit concernant lui? L'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Caleb Moutonde, vient d'être appréhendé par les services de sécurité au siège de la Cinco. C'est lundi 22 mars dans l'après-midi, indique une dépêche de sphinxrdc.com. D'après ce média, c'est sur médiation du cardinal Fridolin Ambongo que l'ancien chef de l'ANR a accepté de collaborer avec la justice avec 2 semaines de cavale. Donc après 2 semaines de cavale. Donc, Balobara cavale, bon, cavale les amis, fuite, mais Ndenge Yakala, fuite rapide, à cheval. Caval, cavalou, cabalou, Antiluba, cheval. Donc, à Kimaki Penza, à Kimaya Mbamu, il y a Mpunda. Le cheval est un Mpunda. Mpunda est un âne. Cheval. Bon, voilà. La Chiluba, tout ça, c'est un cabalou. Cheval. Et puis, tout ça, c'est un Mpunda. Âne. Bon, ceux qui maîtrisent le lingala savent distinguer les deux. C'est de là que vient le mot cavale. Cavale, c'est la fuite, à cheval. Notons que dans un communiqué publié le dimanche 14 mars, la famille de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ANR, a annoncé que c'est depuis le mercredi 10 mars que leur père, précipitamment sorti de la résidence familiale, n'a plus donné de ses nouvelles. La famille tout entière saisit cette occasion de l'acharnement extrême contre notre père pour s'indigner de ce traitement ô combien injuste pour un grand commis de l'État. C'est normal, c'est la détresse des enfants envers leur père, qui a toujours servi son pays
y compris lors des moments critiques, dans le strict respect des lois de la RDC. Notre père ne mérite nullement cette injustice de la part des instances judiciaires de son pays. Pouvait-on lire dans le communiqué signé par Liliane Thembo Kalev, sa fille aînée? Eh bien, nous avons entendu Kayombo. Bon. Puisqu'on dit ici Liliane Thembo Kalev. Bon. Voilà, on retient. Notons que plus ou moins 10 plaintes sont déposées à la justice congolaise contre Kalev Mutondo pour notamment torture morale et physique, arrestation arbitraire et tentative d'assassinat. Et voilà, chers compatriotes, c'est écrit par Tcheke Bukasa de Congo Profond. .net. Voilà, chers compatriotes. Donc, Boyoki Binomoko, bon, c'est quoi to causé la procédure? Il y a justice Ndenge et Kokende na Dikambo et arrestation. Il y a Kalev Mutondo. Voilà, bande Konabiso. Information d'Abisso et Silis avec Caraflash, Tozoa qui en retard, mais information Tozoa qui en déjà Namoy et Zalaki Nanou, rumeur. Donc Tozoa qui Nanou, presse écrite et se manifester, Yango Anna, donc To publié Yango Na, pourquoi, chers compatriotes, Sikoyo. Et Tikali Tolanda, et continuation, il y a justice. Le Kolaba Kangiye, Ye Azalaki, Pilier Moko, il y a Makassi, il y a dictature, il y a Joseph Kabila. Donc, à Kangami. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.